Il devait enlever un kyste. Pourquoi il m'a enlevé une couille? Écoutez, Hugo. Je ne sais pas. Ben moi ça, deux pieds gauche. Je me sens enfargée, les pieds dans mes lacets de bottines. Excusez-moi, ma voiture est juste là. Hey! Ton papier de toilette. Mario, je veux contribuer à la création d'un fonds international pour l'enfance, quelque chose comme Sauvons les enfants, quelque chose du genre. Vous allez recevoir de Londres une somme assez importante qui nous a été léguée par un donateur qui souhaite garder l'anonymat. On voit ça fréquemment. J'aimerais que vous me composiez un conseil d'administration international, un ou deux orientaux, un américain, un africain, enfin vous voyez le genre. Nous avons tout ça sous la main. Et dans les règlements internes de la société que vous allez rédiger, je voudrais que vous donniez la prépondérance au vote des délégués canadiens. Naturellement. C'est là que je travaille, espèce de petit con. C'est bon pour moi, et ça l'était pour le père aussi. Cette usine de merde, c'est ça qui a tué le père. Sois pas trop fier. Y'a rien de mal à vouloir gagner sa vie. Qu'est-ce que t'as dit? Il n'y a rien de mal à vouloir gagner sa vie. À vouloir gagner sa vie? Ouais. J'ai pas gagné ma vie, moi, hein? J'ai pas gagné ma putain de vie? Quand j'ai porté les jambes de mon meilleur ami, le reste du corps après? J'ai vu un bébé avec la tête arrachée. Et une espèce de montagne de pieds que j'ai dû ramasser au milieu d'une rue. J'ai donné ma vie, moi, pour ce pays. C'est pas du travail, ça? Hein? Qu'est-ce que ce pays a fait pour moi? Qu'est-ce que ce pays a fait pour moi? Machine. Hugo, mademoiselle Lucie Desrochers. Pourquoi? Pour des raisons de sécurité nationale, le ministère de la Santé publique recense les personnes qui manifestent des fragilités psychologiques. Merci de t'être occupé de ma femme et des filles. Je m'attendais vraiment pas à ça de ta part. Bah, c'est normal, c'est. Ça me fait réfléchir à des tas de choses. Sarah est... Et quelque chose, hein? L'as-tu fourré? Quoi? Tu me niaises? Je comprendrais, tu sais. Tu pensais que j'étais mort. Arrête, Sam. Tommy, je peux te pardonner.